Bonjour Cédric. Bonjour. Je voudrais savoir un petit peu donc, en quoi consiste votre métier. Alors le métier de serveur, beaucoup de gens pensent que c'est facile, mais c'est quand même compliqué. Il faut arriver une demi-heure avant, faire sa mise en place, nettoyer les tables, mettre les cartes, les fleurs sur les tables pour l'accueil. Il faut porter le plateau, qui n'est pas toujours évident, avec beaucoup de boissons dessus. Il faut avoir une bonne mémoire pour prendre un maximum de consommation. Savoir les restituer au bon endroit, il faut savoir compter. Nos avantages, c'est qu'on a toujours un relationnel avec plusieurs personnes, on voit du monde, ça change tout le temps, il y a des habitués avec lesquels on crée certains liens. Après, les inconvénients, c'est qu'on n'a aucun week-end, on n'a pas de vacances scolaires, on a des jours fériés. Tous les gens qui ne travaillent pas, il faut les servir avec le sourire et faire un maximum pour eux, quoi. Garçon de café, interview patron, prise 1. Bonjour Boris. Bonjour. Un garçon de café. Son évolution est simple. S'il est sérieux, il va devenir responsable de salle. C'est-à-dire qu'il va gérer tout ce qui est client, tout ce qui est comptoir, et il va aussi gérer tout ce qui est commande. Il est responsable de ses autres camarades, et en plus de ça, il doit gérer tout ce qui est les commandes aux fournisseurs. Fournisseurs boissons, et m'aider un petit peu au tabac. Alors pour les formations, on a le CFA au Bossé et l'école Saint-Louis. Je pense que les écoles sont là pour un peu aiguiller. La meilleure formation, ça reste quand même le terrain.